Et yo les amis, c'est Maître Dragon et on se retrouve pour une petite, mais bien petite vidéo spéciale pour comment débloquer rapidement les persos dans Naruto Storm Revolution. Alors c'est tout simple et c'est rapide, donc on va aller dans combat libre. Et vous allez voir. Alors je vous conseille de prendre un... Moi le perso que je prends, c'est j'ai trouvé le plus rapide. Et quand on termine l'adversaire, c'est plus rapide aussi dans son texte de fin quand on termine. Alors vous allez voir. Alors vous allez dans Versus, vous faites contre la, l'ordinateur, vous faites solo. Alors, on va choisir Pain, mais juste avant, vous allez faire l'option de combat. Vous allez mettre en infini, l'ordi très facile, et vous allez mettre l'handicap... pour que les boules de feu, la boule de feu rouge écrase la bleue, vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. Vous le mettez jusqu'à là. Vous appuyez rond. Vous sélectionnez votre personnage. En mode type technique secrète, c'est le plus conseillé. L'adversaire, vous mettez ce que vous voulez. Bon, Tenten, c'est pas le meilleur, mais ça changera pas beaucoup. Et vous allez voir, donc, il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes pour faire... Non, en fait, il y a une méthode assez rapide qui évite de faire la... qui gagne énormément de temps. Donc vous faites ça, vous allez vers l'adversaire, vous prenez un combo, vous arrêtez le combo, vous recommencez le combo, vous finissez le combo jusqu'à la fin. Là, la barre de vie est rouge. Vous balancez une TS, et normalement, vous avez gagné. Cela ne vous prend même pas 10 secondes. Le texte non plus. Et on a gagné. Voilà. En fait, cette technique-là permet de gagner rapidement les combats et de gagner des Ryo, vous allez voir. Vous voyez, donc, là, on va gagner des points liés au Ryo. Donc, on a fait des combos, on a bonus temps, on a premier coup, on gagne 19 720. Les 19 720, c'est pratiquement ce que vous gagnez à chaque fois que vous gagnerez de cette méthode-là avec l'handicap. Vous allez accumuler des points et à partir des... si vous avez eu Naruto Storm 3... et qui vous a débloqué automatiquement quasi tous les persos, à partir de 900 000 Ryo, de 1 million de Ryo, les nouveaux persos vont se débloquer. Bon, après, moi, comme vous avez vu, là, j'ai débloqué déjà Mecha Naruto et tout. Mais voilà, en fait, c'est juste une technique tout simple, il n'y a rien à faire d'autre. Vous faites toujours le combat, comme vous avez vu, là, le combat que je viens de faire, vous faites suivant. Là, ça va sauvegarder. Et après, vous faites réessayer. Donc, ça va vous remettre dans l'arène à l'infini. Et vous faites cette méthode à l'infini. Vous terminez votre adversaire en même pas 10 secondes. En l'espace d'une demi-heure, moi, je les ai tous eus. Donc, après, ça dépend de votre style de jeu, comment vous jouez. Si vous venez de débuter, vous voilà. Mais dans les deux cas, vous mettrez entre une demi-heure et une heure pour débloquer tous les persos de Naruto Storm Revolution. Bon, bah, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si ça vous a été utile. À commenter si vous avez des questions ou autres. Et à vous abonner si vous voulez suivre la suite de nos vidéos. Et la prochaine vidéo, ce sera sur la suite de l'aventure de Mecha Naruto. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao les amis!